Bonjour, bonsoir tout le monde. Glorieuse Stéphanie Nelson, on l'autre fois avec nous. Un plaisir, comme d'habitude, pour moi, venir parler avec artistes, producteurs et tout le monde qui est dans le domaine culturel. Je dis à nous, un journaliste, un superstar, un monde qui est passionné de technologie, mais vraiment qui passe de présentation. Moi, j'ai avec mon studio Karel Pedre. Nous allons parler de projet d'avenir, nous allons parler de statut de journaliste superstar. Et puis, bien évidemment, nous allons parler de différents projets que l'on a gagnés. Qui t'aime dit, Karel, bonsoir. Bienvenue dans Ticket, Karel. Bonsoir, glorieux, son plaisir pour notre Ticket. Et parole sur tes comptes, ça, ici, à la Kamo, parce que nous avons collaboré à Ticket pendant une période de la vie. Et son plaisir, marron. Voilà, Karel, pas de nouvelles. On connaît technologie, on s'est fait pas ou une émission ou vraiment tout côté sur toute plateforme culturelle. Yo, pas de nouvelles. Ok, nouvelles moi, pour me dire vraiment semaine ça yo, moi remettre tête moi d'ailleurs. Pour quelle raison? Parce que m'étais pris en pause et personnelle pour me réévaluer un petit cas et qui ça que me fait côté et puis pour me vraiment compte côté que me aller. Je suis capable de dire que dans ce moment-là, au point de vue personnel, je suis dans une affaire de déménagement. Et donc, qui te prend vraiment tout le temps, je suis prêt définitivement relancer l'autre projet que j'ai gagné dans Tiwa, tant que podcast, l'autre contenu que je vais produire pour page PAM, pendant que je produis des contenus pour Chocarel là tout. Et dans le jour de la parce que c'est prêt gagner été. Et on est que chaque année, Chocarel a organisé une session stage pour les jeunes. Pour les jeunes. So, voilà, so, c'est tout ça que nous travaillons là, qu'on y a. Mais le grand projet d'avenir, là, c'est toujours continuer. Et produire, toujours continuer. Et rester sous ma place, parce que avant qu'il ait oublié, il y a site là. Donc, pour faire un genre pour que on crée des contenus pour audience qui remet, mais tout des contenus qui ont une valeur, qui sont instructifs, qui sont capables d'inspirer les gens et puis qui sont innovants dans mon sens. Tout à l'heure, après, on me dit que vous êtes passionné de technologie ou ce qui est tout. Ça veut dire, c'est son vérité. Mais moi, je me demande, qui est bon, passion ça, toute énergie ça que vous gagnez, tout ça qui vient avec la technologie, le sorti. Ok, je suis capable de dire que j'ai commencé depuis que j'étais petit dans les jeux vidéo. Et de Atari à Nintendo, Super Nintendo, Sega Genesis, PlayStation, etc. De toujours on monde qui était dans les jeux vidéo et puis rêve pam c'était pas pour me dans les médias c'était pour me devenir un monde qui a programmé jouer et c'est pour ça me font première année Flandre parce que maman pas capable de jouer qui ça veut apprendre pas capable dans quelle école pour me et parce que me pas veut ingénieur pas veut docteur pas veut rien pas veut agronome ni rien ça veut dire pas dans pièce faculté qui est disponible. Ils font année flâneur et c'est pendant ma fin année flâneur que j'ai découvert que Infotonique était disponible et puis moi aller dans Infotonique et le malin dans Infotonique moi à apprendre ces informatiques et depuis le ça dans apprendre ces informatiques moi viens connecter avec nouvelles technologies et puis bien sûr on viens découvrir moi qui est l'internet donc l'internet permet moi connecter avec informations qui disponibles et dans milieu à connaît et qui ça qui vient passer et puis bien sûr mon gars travaille mon gars l'argent mon faut pour gadget m'a acheté gadget m'a voyager m'a pas fait des expériences etc et puis tout autour de moi-même les technologies par exemple la caméra qu'on y a pour dire que la caméra qu'on y a et m'ouvrir porte moi avec voix moi éteindre lumière avec voix moi allumer télévision avec voix moi tout à fait smart parce que justement moi vivre en plein de la modernité. Et qui côté où sorti ou tombé dans radio technologie où il veut faire mariage là? OK, voilà. Ça qui me passe c'est que moi j'ai toujours aimé parler en pile tout. Ça veut dire parler en pile. Voilà. Attention parce que l'autre dit parler en pile dans Haïti ou dit l'autre bagaille. De tout ça, ça veut dire parler, ça veut dire au monde qui avait me connaît que m'a parlé, moi aimer parler. J'étais toujours le monde qui a la présentation dans la classe. Si un message passe dans la classe, ça c'est quand même. Donc, communication était toujours intéressée en même temps. Mais le fait que j'étais toujours pipiti dans la classe, je n'ai pas de jambes vraiment comme si j'avais une grosse voix. Et très souvent, on était un stéréotype dans les médias. Pour parler dans les médias, une façon pour parler, une façon pour ton pour gagner, etc. Pas de jambes gagner, parce que j'étais toujours pipiti. Et puis, le moment secondaire, il y a un professeur sans social moi qui a travaillé dans la radio et puis qui a décidé de faire deux jeunes en classe là chance pour venir faire stage dans la radio et il a choisi voir cet amant que un peu de monde connaît qui était dans la radio Caraïbe FM et qui toujours a fait média et aux États-Unis avec un autre ami qui est le Messmangelin
Donc, parce que monsieur, ça aussi paraît beaucoup plus mature, etc. Donc, mes semaines pas intéressé, même tes amis, mes semaines. Donc, on a fait gratter à le suivre mes semaines. Gratter? Définitif, je pense à ça. On a fait gratter à le suivre mes semaines. Littéralement, je viens d'entrer dans la radio. Et puis, le fait que mes semaines, on y a vu désintéressé, sont moins continuer dans la place. Ça fait que vous venez jouer. Moi, je viens tomber dans la radio. Fait place, mais en avant, tu as une passion qui est venue créer, forme Baïti, monsieur, ça, au crédit, ça, tout. Tu as une nouvelle radio qui est venue ouvrir pour deux, qui est les Mélodies FM. C'est une radio vraiment et jeune qui t'a joué. Pop music, qui t'a joué hip hop, etc. Qui était différent de ça l'autre radio. T'as joué et me t'es fréquenté radio ça parce que j'ai tout pris la caméra. Et puis me fin j'ai une chance pour me faire stage dans la radio. Je viens de mon job dans la radio parce que mon ami, m'a salué Jean Gardi Philogène qui t'a quitté pour deux pères. Il était besoin d'un remplaçant pour lui. Son mari vient remplacer lui. Me viens de faire un année flan. Ça veut dire me faire un année c'est radio seulement que m'a fait avant que m'a l'école. Le m'entrer pour tout prince, m'entrer pour tout prince en septembre 2000, avril 2001 me gêtant dans la radio. Mais après travailler dans plein de créole. So vin faire l'amour pour média et puis qu'on y a moi vin réaliser que je suis capable d'allier technologie avec ça que m'a fait et premier aspect c'est pas même social media que le t'ai moi t'ai plein créole de ça et me songe très bien moi t'ai digitalisé toute librairie plein créole t'ai gagné un oublié non store là t'ai un store qui t'ai vendre computer qui t'ai dans Plaza Delima 32 là et puis yo content d'émission et puis yo dit m'a offert mon partnership yo pas gagne l'argent mais a deux computers un computer pour moi un computer pour radio. C'est le premier computer, mais ce n'est pas un laptop, c'est un desktop. Je n'ai pas de côté pour me mettre un computer dans la radio. Je quitte la radio et puis bien sûr, la radio a gagné Internet. C'était dial-up à l'époque. So, l'idée, c'était que yon application qui était le Music Match. C'est prendre CD, mettre dans Music Match, rip yo. Et puis classé, so digitaliser toute radio, ça fait une femme justement, premièrement, qu'on go library musique, et puis qu'on y a venu entrer, venu garder comment on capable rendre ça m'a comment faire appel digital, et puis qu'on y a venu accès avec internet, m'a chercher information sur jeux vidéo, cinéma, pour m'a bailler dans émission, mais then ça c'est histoire. Et puis 12 janvier arrivé, tweet ou un vraiment qui informait le monde que pays en saut tremblé ou recevoir distinction par rapport à ça. Ou fait TEDx tout quand on va parler de technologie. Vraiment donc expérience mariage communication on dit métier journaliste avec technologie en fait que ou même arriver 20 tête ou à l'extérieur parler de pays et surtout parler de passion. Bien sûr, Kylem Joe. Moi-même j'ai très bien le voilà venu avec SMS. Et c'est un des premiers monde qui a incorporé SMS comme moyen de communication entre moi-même avec l'auditeur. Sur le monde qu'on a envoyé SMS, moi, etc. Et puis, quand on a découvert, of course, Facebook a toujours existé. Il y a des petits groupes d'amis sur Facebook qui ont attendu mon online et la santé sur Live 365. Et puis, on a découvert Twitter. Je suis sur Twitter depuis septembre 2008, Nap Tweet. Et puis, 30 minutes a passé. Je prends photo pour me partager, pas pour me partager avec le monde, parce que je ne sais pas le monde. Je compte 300 followers, 324 followers. Et je tweet pour 324 followers. Et puis, c'est où moi que le monde entier a contacté pour me demander des témoignages, pour me demander plus de photos. Et puis, je suis obligé de chiter sur le computer pendant toute période de tremblement de terre, à faire interview sur Skype à travers le monde. Et ça a définitivement une bonne opportunité pour me gagner une audience internationale. Justement, en distinction internationale, tout, et puis voyager dans plusieurs pays, mal en Afrique du Sud pour me faire, pour me parler d'expérience, moi, mal même fils Tennessee pour me parler d'expérience, moi, et aller en France et pour me parler d'expérience, moi, et ça m'a parlé là, c'est des bagailles comme si, des gros bagailles officielles que j'ai invité, moi, et moi, j'ai une chance tout, à partir de ça, connecter avec plusieurs journalistes internationaux, médias internationaux, j'ai plusieurs monde qui suivent moi online. T'as des grosses célébrités, par exemple Britney Spears a follow moi et Sean Paul a follow moi de tous les shows a follow moi. Tout ça c'est à partir de toi de toi là. Maintenant où monte show carré là, plateforme là, artistes, acteurs de milieu culturel là, tout le monde passe dans show carré là et puis au moment privé. On capte show carré là. Ou faire le morning show, puis ça. We'll be right back.
ça qui explique que vous quittez Chocaré là ou passez à The Morning Show, côté qu'il y a plusieurs personnes qui a animé l'émission avant. Bon, qui demeure. Pour ma gala, c'est que je suis 39 ans année ça. Oui, tout ça. J'aime tout ça, justement. Et parce que je suis pas vous-même qui t'a déclaré tout, comme si à 6 ans. Je t'ai fait 3 ans malade. Je ne pas compter ça. Non, so y a m'kal gen 39 ans et moi-même moi t'ai toujours dit na carrière pas moi et pas moi-même qui a fait même bagarre là l'homme dans quarantaine moi. Ça veut dire faut commencer faire coup là. Coup là pas comme si voulait dire que m'a quitter média. Même moi estimer que m'ka toujours peut-être créer l'autre contenu dans média ou bien utile média ou bien créer une plateforme qui gen moi-même la donne sans pas forcément et à faire même bagarre la présenter les matins chaque jour. So idée à c'était font transition pendant que m'a toujours là mais font transition pour peut-être barre l'autre équipe opportunité pour eux et découvrir et surtout l'aime pas là. Qui a plein de monde qui dit ah Karel quel autre projet il va sous show Karel encore. Ou pas le candidat Karel? Et non, pas un candidat. Ouais, politique là intéressant. Jour tendez ou bien jour ouais comme c'est Karel ta soi-disant peut-être ta un million là bas par exemple, qu'on aime pas le candidat. Karel pour un million là bas. Good. Ou millionnaire en good. Good, mais pas en dollars. Donc le jour où tu as dit comme si je gagne 1 million de dollars, 1.1, parce que vous avez 1 million de dollars, pas millionnaire, c'est l'or gagne au moins 1 million avec 1 dollar. Okay, then, parce que, voilà. So, l'autre a dit que je gagne comme ça, et vous connaissez le gagne comme ça, connaissez le candidat. Qui je m'en connais? Parce que il y a plein de monde qui dit ou jolé Karel, ou jolé. Qui je m'en connais? Je ne suis pas un monde qui vend bien matériel. Je ne suis pas un monde qui peut-être un cas jolé pour l'autre bagaille, pour s'amuser, pour valeur que je n'ai, qui c'est des valeurs que le monde n'est pas capable de réfuter. Parce que moi, je ne suis pas un monde qui fait jolé pour l'argent, parce que tout le monde gagne l'argent. Il y a un monde qui est plus comme passé. Je ne suis pas fait jolé pour bel tennis, parce que il y a un monde qui. Ou pas là au monde? Non, je ne parle pas de monde en particulier. Okay. Non, je parle de biens matériels. Par exemple, je ne peux pas faire du pour un iPhone que je gagne, que tout le monde est capable d'acheter un iPhone. Et je ne peux pas par exemple, si justement je suis un TEDx speaker, parce que n'importe qui n'est pas un TEDx speaker. Je ne peux pas faire du pour ça. Je ne peux pas faire du pour me dire que moi, puis ancien et journal en Afrique du Sud, écrit un article sur moi. Vous comprenez ça, c'est des bagages qui gagnent des valeurs qui. Que comme on ne peut pas acheter. Tu vois, mais je vais rentrer dans ce match de tennis. Je vais acheter dans ce match de tennis, je vais mettre pour me remettre. Juste pour me faire une petite story Instagram ou bien me faire une photo. Je vais acheter une belle machine pour un crédit sur la machine. Là. Après ça, vous saisissez la machine, là, même parce que je ne peux pas payer. Je ne peux pas jouer dans le club, je vais louer un jet privé avec 2-3 ans, je vais chiller dans le jet. Ou bien je louer un espace pour me montrer que je suis bien vu. Ça aussi, c'est des choses faciles pour faire. Je ne peux pas jouer dans ce sens-là. Donc, mais ou d'accord que parti jolé a ou non, pas jolé per se. Je pas comme son monde qui pral jou comme si moi ça. Mais moi même moi toujours voulé que l'on monde peut-être pas connaît qui est moi ou bien qui ça moi fait que me ka rappeler ça. Et pour moi même pour qui ça parce que ici dans milieu par exemple pour moi moi fait super travail ou là et dans ticket on peut bon pilates soit informer mon ou sortir ou écrire article etc. Peut-être au monde pas bien bon valeur. Et très souvent moun ki pa moun ki pral minimizo là son moun ki reconnaît valeur oui mais li pense que s'il joue on bagay ça dévalorise peut-être silence que la personnalité ou bien s'il parle de origine ou bien s'il juste rappelle ou j'ont été l'école ça ka minimise valeur non pas de fond en mathématiques justement donc de ce fait faut qu'on capable montrer moun nan qui est ce qui ça qu'on fait et grâce à Dieu justement tout bagay sur internet parce que pas comme si menti que m'pral bay m'pa pral faire jolé sous quantité comme gain sous machine ma poule non on pas bien moi faire ça pendant on a parlé de monde qui voulait minimiser monde dévaloriser travail on nous tout rentrer dans gens ou même gérer followers ou yo sous internet là bon à un moment donné bon ou se dit là off the record ou te propose n'a pas parlé de pour qui ça mais qui je veux gérer followers yo parce que gain des fois gain des bagages yo jour gain des tweets yo faire yo répondre si c'est ou même ou très non moi même on fait tac au tac justement on fait tac au tac pour qui sont décidés OK on va faire ça ça parle dépend de qui ça ça parle dépend de mood moi en général on peut dire tout le monde ça premièrement monde qui attaque là c'est les capsules c'est pas capsules donc on pas obligé pas l'importance
Deuxièmement, le fait que je suis sur Internet, envers un pile monde, ou bien sur les social media, envers un pile monde, donc moi, tout le monde qui a vu. Donc, on ne peut pas apprendre moyen sur la plateforme. Mais, il y a des heures où on fait une parole, et puis je me sens. Tu piques? Non, jamais. Okay. Si Internet te pique, ou pas d'absolu toujours? Je n'ai pas fait un job, je n'ai pas fait un travail. Je ne peux pas dans la radio, je ne peux pas dans l'opinion, je ne peux pas dans moi-même. Et vous sentez que il y a des gens qui essayent de frapper dans ce sens pour décourager ou bien pour montrer que ou ça va dire qu'il n'y a pas de valeur ou bien qui est-ce qu'il y a une campagne de dénigrement qui fait sous dôme sur plusieurs raisons. Soit parce que je n'ai pas supporté Michel Martelly, soit parce que je pensais que. Et je suis fanatique de T-Vice, je suis fanatique de Jacot, ou bien fanatique de Jacot, je suis fanatique de T-Vice, ou bien et le fait que je recevais Trouble Boy, que je suis problème à Woody, le fait que je suis à Richel, que je suis problème à Woody, je crée tout le bagaille. Mais tout ça, je suis créé. Je dis toujours à tout le monde ça. Il ne faut pas quitter les social media. C'est lui-même qui détermine la réalité. Ou. C'est la réalité ou qui peut déterminer les social media. Bon, exemple, dans la tête, et je ne sais pas exactement qui est en monte de et pour répondre, nous dit et puis, parce que j'ai une douce défense là. Bien sûr. Vin viral. Bien sûr, et puis, on va vite battre. C'était ça. Justement, ça veut dire. Il est capable de ça, parce que qui s'est passé? Si nous avons une relation avec vous, on dit que nous faisons une interview ça là avec vous, et puis, nous faisons un tweet ou une blague sur vous. Et puis, on a l'autre monde qui dit, oh, regarde comment on a eu ce blasé carrel. Je ne peux pas quitter ça, touché. C'est parce que si je veux résoudre le problème avant, ou bien si je veux connaître le problème avant, après l'autre, je vais dire, glorieux, mon problème avant, what's going on? Et. Pour faire dire que vous ne pouvez pas faire sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas faire sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas faire sur les réseaux sociaux. Oui. Ça, c'est l'organe contre mon tout. Non, pas même. Ça arrive? Non. Je ne parle pas exemple. Rapidement, parce que je n'ai pas parlé de tout et de rien. Là, je me sens que je ne peux pas avoir. J'ai un problème avec M. Wokfam. Le problème, c'est que M. Allon Radio, Port de Paix, il fait comprendre que Karel, c'est un monde qui a boycotté Diaza et Port-au-Prince. Pas au courant. Il y a une émission, c'est une émission qui fait chaque samedi. Il y a une samedi d'après hein, pour dire qui ça que je dis sous moi, comment moi a réagi. Moi, je dis que je ne suis pas attendu ça qu'il dit. Je ne suis pas réagi, ça c'est samedi sur radio. Mais qu'on y a, t'es qu'on bat Real Madrid, t'as vu, m'a bien oublié tout ça. On tweet, monsieur, puisque nous t'es qu'on habite sur Twitter, l'autre. On dit, monsieur, est-ce que c'est vrai que nous dit sur radio que m'a boycotté nous? Et il prend le personnel et puis il commence à jouer. Bif avec eux correctement. Même pas peur bif à personne. Pas bif encore, même pas peur bif à personne. Ou pas bif encore pour qui ça? T'as l'air en privé là-dedans. Pas bif parce que. Je pense que c'est moi qui mette dans la position pour un monde penser le cas bif. Et c'est moi-même qui accepte le bif à moi. Donc, moi, j'ai décidé non seulement de ne pas mettre dans la position pour le bif à moi, ni pas permettre qu'on pense que le cas bif. Donc, je résous le problème. Donc, quand j'ai un bif avec monsieur, mais bif avec monsieur, tout le monde vient dire, relais monsieur pour résoudre le problème, relais monsieur pour résoudre le problème. Non. Mais c'est juste un tweet que je fais. Juste posons une question. Que je dois poser des questions. Je ne vais pas venir pour me dire, oh monsieur, mais ça n'a pas dit, pourquoi ça n'a pas dit ça? Je ne vais pas venir jouer, je ne vais pas dire rien. Ou bien, on dit par exemple, que c'est le monde qui biffe avec, dernièrement, je me fais biffe avec, comme il est pas clair, et dernier biffe, je me fais sur Internet, là, je suis obligé de screenshot, monsieur, montrer que ça le tape, dit. Et Stéphane Vincent, à la cute. So, moi, c'est pas rien. C'est juste, monsieur, font tweet. Moi, je demande le côté de jeune information. Lui dit le côté de jeune information. C'est qu'on menti que le débat. Moi, je Google, moi, je lis, moi, je montre que le débat est menti. Et puis, monsieur, prend le personnel. Pardon, dit Google là. Google, non. Parce que toi, attribuer ce slogan, ça a voir. Hein? Yeah. Mais c'est exactement ça. Ça veut dire, il y a plein de monde qui toujours pensait que, oh, ou pas rien. Of course, je ne pas rien. Mais, il y a une conversation, quoi, si tu nommes la donne, au moins, il y a un minimum de respect pour nous. Parce que ce n'est pas. Ça moins yé ou bien ça moins fait, et ça en pile monde qui a regardé là yé ou bien ça ou fait, c'est pas monde qui fait au cadeau. Il y a des monde qui a levé à 4h du matin pour aller travailler, que personne ne pas connaît. Mais il y a des gens qui dans le travail, là ils prennent promotion qui parle de parce que les gens qui ont même la privé dans travail en retard chaque jour. Mais les gens qui même levé à 4h du matin, les gens qui prennent promotion levé à 4h du matin. Pour le préparer, pour prendre camionnette, ou bien préparer petit, pour le prendre combien de camionnettes, pour le river, les gens l'appli, mouiller l'appli.
les goumer dans camionnette pour venir travailler pour capable remettre travail on time pour performer dans travail pour bal promotion l'œil prend promotion un monde qui dit pas mériter quand pendant que monde ça dit pas mériter là qu'on y a là penser que pour dire oh là avec patron ou bien ils sont sous et ils minimiser tout travail que monde a fait ouais le constat ça arrivé me toujours encourager au monde mettre tout vagabond en place yo. Parce que c'est où qu'on qui quantité de travail et quantité d'effort qu'on mette. Mm-hmm. C'est où qui compte comment ou fait ça ou bien pour faire, donc pas qu'à quitter personne ou minimiser. Et justement, quand on a parlé de réseaux sociaux et de en pile réaction qui gagne par rapport à tout le monde, par rapport à vous également, il y a un pile de monde qui estime que, bon, bon, ici, on n'a pas forcément parlé pour question de réseaux sociaux parce que nous sommes trop méchants. Pas quoi, non. Au contraire, je trouvais l'intéressant ça qui a passé sur les réseaux sociaux. Intéressant pour qui ça? Intéressant dans le sens que ça permet deux bagages. Ça permet que ou capable montrer au monde comment ou bien utiliser les réseaux sociaux. Pour qui ça me dit ça? Si pas de gagner toute haine ça, tout dénigrement ça, toute réticence ça, toute vieille buzz qui a créé ça, etc. Ou pas d'être capable de gagner ces outils pour montrer au monde bon chemin. So moi-même moi-même prêcher par l'exemple. So chaque fois moi gagne soit en formation que m'a fait sur réseaux sociaux, bien soit éviter me parler dans conférence, etc. Toujours prendre exemple ça. Toujours dit que dans la vie, hein, faut qu'on capable de contrebalancer les choses. Raison qui fait que le Google Haïti qu'on y a, ces photos et manifestations et caïcrasé, moun nan grand goût qui fait, c'est parce que c'est contenu ça que nous produit beaucoup plus. C'est contenu ça que gros chaîne internationale qui référence sous moteur de recherche yo produit. Donc comment on capable contrecarrer ça? C'est pas mandé, c'est pas dire pas poster. C'est créer l'autre contenu qui gagne même valeur par rapport à eux même. Qui vient faire que quand il y a l'homme on fait recherche là la joindre ça. Donc pour moi même gens comme si on m'a dit oh et me pas sur réseaux sociaux parce que j'ai trop besoin sur réseaux sociaux. But hey, ou ca apprendre sur réseaux sociaux, ca joindre motivation sur réseaux sociaux. Ou bien ah, me pas commettre sur tel parce que tel monde va venir jouer. Mais sont pas supporter un monde qu'on aime pour qu'ils soient quitter justement quantité monde venir jouer. Et qu'on y a tout ou pas obligé de rentrer dans jouer avec un monde en bas pour son artiste parce qu'on aime artiste ça. Quitter monde dans jouer lui même mais continuer supporter artiste ça et partager œuvre li qu'on aime. Parce que sous faire comme ça, li a définitivement gon contrebalance par rapport à la négativité. Maintenant, tu as l'heure mentionné le fait que il y a des gens qui ne sont pas fin contents, qui ont dit ah, mais oui, Karel Pouti va, ou bien par média, etc. Et chaque année, ça va dépendre de commentaires que je fais ou bien appréciation. Année, ça va attendre Pouti va l'année prochaine. Mais dans le grand général, il y a des gens qui disent ah, mais Karel, il me prend parti assez souvent, soit après pour la monde. Je ne parle pas de prendre parti. Et moi, je me vérité, moi, je me dis ça me sentir. Ça veut dire, si je pense que. Et comme d'agadou ça très simple moi bon exemple très simple et comme t'es fou tête moi là dedans dernièrement et là on t'a posé une question sur Antoinito et m'blé parraine avec décollé qui ça fait plus hit peut-être façon que m'te dit là t'es mal t'es excusé mais je Antoinito t'es répondu oui mais pas rien que me dit qui pas vérité et pas rien que me dit qui penche son bord. Ça veut dire que le gars de valeur musique, portée musique, c'est même bagarre là. Et le plus gros problème qui gagne tout ici, c'est parce que, je vous dis ça, si tu es magazine par un artiste, son artiste, tu n'as pas rien sur lui. Donc le fait que ou pas grand pile contenu, public qui pas connaît, qui référence, même s'il t'a voulu faire recherche, même s'il t'a curieux, son série de bagarre. Donc, ou une presse culturelle qui parle ce, qui connaît achète en fait buzz seulement sur Instagram, qui pas vraiment bien à faire là par exemple certain que chaque artiste ou vient là ou qu'on antique sous yo ça c'est pareil qu'a prêter pour la postérité on connaît des monde qui vini dans émission et puis me juste font recherche sur son article nouvelliste écrit sur en 2008 comme jeune donc de ce fait si média et m'a dit ça là en général pour tout le monde qui a regardé Facebook pour comprendre qu'on y a tout qu'on a utilisé Facebook tout qu'on a fait vidéo tout qu'on a fait et live faut que nous gon côté que nous ait des écrits qui étaient. Parce que gomba que me pral dit en dans interview ça li son vidéo mais sou pas écrit l'on côté l'aime faire recherche non il a dit vidéo a prêté tout sur internet oui, mais vidéo, mais il pral permettre qu'on pral chercher en pile moi bon exemple très simple moi recevoir une dame dans émission moi 3 semaines de ça l'aime faire recherche sur dame non son article que Robertson Alphonse t'a écrit sur lui dans le Nouvelliste en 2008. Pour montrer, parce que justement la presse, et c'est là où l'importance des médias
en ligne qui a fait surtout contenu écrit, il permet que vous êtes capable de chercher des keywords ou chercher des mots-clés bien spécifiquement. Mm-hmm. Mais dans la vidéo, vous ne pouvez pas chercher des mots-clés. Mm-hmm. Okay? Donc, l'important pour faire comme ça. Donc, de ce fait, le fait que son seul média, on a dit, un coup, Ticket Magazine, qui a fait, l'autre, on a essayé de faire, mais ou pas faire, genre que Ticket dédié pour faire, ou vient un problème de référence. Très simple. Ça veut dire, si ma fait un article, si ma fait une recherche, qu'on y a, sur une musique quelconque, ou bien sur un artiste quelconque, je pas besoin de trois préférences sur lui. Donc, de ce fait, n'importe qui, on a dit, n'importe qui, bagaille sur l'artiste là. Et tout ça qui vérité a capable de donner les gens du urbain, personne n'a pas quoi. Là, ou clair ou pas en grande gueule, et ou pas prêt parti, je dis ça, je dis avant, ou pas prêt parti en qu'il y a un artiste, etc. Mais il y a des gens qui disent, ah, mais Karel, son grande gueule, je viens avec mon grande gueule là, parce que justement, se dit, peut-être que j'ai été parlé de musique qualité, ce n'est pas forcément la bonne manière. Ça, on peut répondre à tout le monde qui dit, ou dans toute sauce, Karel, son grande gueule, Karel, parle en pile, et vous, ça m'a émotionné. Parle en pile, je connais ça. Ah oui, bien sûr. Ça, on peut répondre à tout le monde. Je parle en pile, même pas chercher, Pierre, parle en pile. Par exemple, c'est pas moi-même qui décide de parler de Juanito, juste parce que j'ai envie de parler de Juanito. Ma fonction est sur Instagram, c'est que tout le monde fait. Pour le monde qui pose ma question, je choisis de répondre. Karel, pas en grande gueule. Karel, pas dans toute sauce. Dans toute sauce, parce que vous mettez dans toute sauce. Donc, ça c'est pas vous-même qui cherchez à rentrer dans toute bagaille. Non, mais c'est seulement parce que, exemple très simple. Juanito, que vous parlez de lui comme ça, et Juanito, tu es dans l'émission deux semaines avant. Personne ne pas fait buzz avec le fait que je me recevoir Juanito. Mais ça, on va s'expliquer, ça veut dire le fait que je réponds Juanito comme ça, on m'a créé une parole sur lui. Et puis, l'autre bagaille, tout, c'est que c'est parce que il y a des gens qui viennent sur la page, prend ce qu'elle fait, il a posté sur l'autre page, pour que les gens opinion sur lui. Mais justement. C'est ça fait moi-même qu'on y a. Ils mettent dans tout ça. Par exemple, c'est pour une émission matin, on parle de Jakout No. 1. Il y a plusieurs autres pages qui desséquillent pour parler de samedi sur Jakout No. 1. Est-ce que c'est maintenant tout ça? Non. On parle de Jakout No. 1 parce que c'est un sujet qui est d'actualité. On a l'autre monde qui parle. Pour ça, ce qui passe, c'est que chaque monde parle de bagaille avec une perspective. Parce que chaque monde parle de bagaille même genre. Par exemple, un monde qui est dans le team Chaba, parce que le team Chaba est le team Bouchon. Dès que vous avez des mondes de côté. Un monde qui est dans le team Chaba a estimé que je fais un commentaire qui n'est pas supposé et qui n'est pas en faveur de Chaba. Parce que là, je me dis par exemple, le fait que Pouchon dit que j'ai été à l'école là, pas forcément dit que les 10 Chaba pas dans l'école. Tu vois, ça veut dire que c'est pas parce que je me dis j'ai été à l'école que vous-même vous pas dans l'école. Si vous-même vous prenez le susceptible ou prenez le comme ça, ça ne fait pas. Ça veut dire si je me dis que j'ai de l'argent, ça ne pas forcément dire que tu n'as pas d'argent. Si me dit que je suis bien éduqué, ça va me dire que toi, mais tu es bien éduqué. Il y a des gens qui parlent dans le contexte là, que tu es déjà bien compte et que tu es pas autre qu'on fuite. Mais si ça va me dire qu'on est capable de dire, un monde qui remet Pouchon qui a dit yes, car elle a bien parlé pour Pouchon. Mais ce n'est pas vrai. Dieu, ça fait une analyse globale. Donc de ce fait, les gens mettent dans tout sens par rapport. Et moi, j'aime ça. Qui j'en géré et Andy, aspect du fait que ou a fait métier journaliste là et ou sont superstar tout on a suivi tout on a regardé sur après réglé ou même tout bay moun yo ti mo son dans la vie ou de temps en temps sur pas jour pour que ça on fait ça parce que il y a des moun qui décident que ou pas rentrer dans ça. OK, qui aime dire mais ça passé c'est que pas oublier que moi même m'pas fait tomber dans social media. On commence à poster la vie sur social media, elle me gagne un follower. Elle me gagne 2 likes. Donc pour moi même rien pas changé. C'est pas. Et ça qui est intéressant là-dedans, c'est que je ne suis pas trop personne qui a en Haïti qui t'a fait. Ça veut dire que je ne peux pas copier sur pièce. Ça veut dire que les gens qui viennent faire le coup, ils suivent vous-même. Je ne peux pas dire qu'ils suivent moi, ils ont entré dans le cadre général de côté que social media à la mode. Ça veut dire qu'ils obligent, par exemple, si vous créez une compagnie, ils ont dit focus sur social media. Mais moi-même, ça se passe sur les réseaux sociaux. Justement, l'aime sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux pas à la mode. Et Karel qui a commencé sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à pas changer. Un exemple très simple, 2010, l'homme posté, premier post, moi, que Stéphanie, Cara en forme. Stéphanie, c'est la mère de ma première fille. Cara, t'es gay, 1 an 7 jours, 1 an 5 jours, je suis tremblement de terre là. Ça, c'est vie privée. M'a parlé de Stéphanie en forme. Non, mon petite, moi en forme, petite, moi en forme. Mais qui ça m'a écrasé, mais qui ça m'a pas écrasé. C'était premier tweet, moi. Donc, je ne peux pas changer ça là, qu'on y a. Si je fais tout ça demain matin, je fais tout ça même bien demain matin. Pour quelle raison? Parce que l'homme cite non Stéphanie, c'est parce que je connais que mon cap suivi moi au compte Stéphanie.
Lèm si te non kara, parce que moun konnen yo ka suiv kara. So, mm-hmm. pou mwen menm, relasyon sa ke m te gen depi le, avèk follower mwen depi le ke m te komanse, m pap kite lot moun ki rayim, ki vin konnen a gen smartphone nan men yo, mm-hmm. e ka fè vie komantèr, pi gen problèm. Sauf ke, konnen, mwen an ti jan, gen plus rezerv nan ki sa m bagaje, koman m bagaje. Est-ce que c'est différent et critique, commentaire qui vient de nous qui font ou prend réserve ça? Non, je vais l'expliquer pour qui ça. C'est parce que moi, par vie, sur... moi-même, je vais prendre n'importe qui frappe. Je vais prendre n'importe qui photo de moi, qui, mm-hmm. que mon passe dans le risible, que mon fait mimes avec ou sans problème. Mais très souvent, je vais poser des photos avec des gens, je vais joindre des backslash. Sous plusieurs raisons. Je vais poser des photos avec le fait que je tag ou charger le follow avec de nous, je vais prendre des gens qui disent que je vais poser des bagailles. Ça, c'est une bagaille. Ou du moins, on a posté une photo avant, on est très fier avant et puis comme on dit, on ne pas comprendre comment rouge à lèvres là et sous là, garder maquillage ou pas. Il y a toujours une nouvelle. Etc. Donc attention, et pas dire dim ça, on connaît nous. Donc pour moi-même, moi pas ouais ça, on pas envie, on pas exposer le trop. L'autre bagarre encore, c'est que et par exemple, t'as décidé, me dit, on t'a aimé, bah ils ont mis love sur internet là. On pas qu'à bah tous les amis love parce que la crayon jalousie. Ou du moins c'est pas tous les amis qui a d'accord love là. Par exemple, très simple. Ménage, je ne pas accepter que je tagli dans rien. Pour quelle raison? Parce que depuis que je tagli, j'ai gagné plus que 2000 follow requests. Et il ne parle pas ça? Non, il ne parle pas ça. Et justement, quand on va parler de ménage, ou, ménage actuel, ou, qui j'en sais côté familial? Tu as parlé de Stéphanie, maman mm-hmm. petit tout, mm-hmm. Cara, ta première fille. Mm-hmm. Qui j'en sais côté familial? Correct. Malheureusement, je dis bien du malheureusement, parce que ce n'est pas comme des gens souhaités, mm-hmm. moi, pas avec maman de petite mère. So, tout le monde connaît, j'ai deux petites filles que moi adore, Amo, Cara avec Amalia, et moi j'ai de très bonnes relations avec maman. Yo. Et nous en forme et nous pas de jambes comme si séparation en fait mais séparation pas de jambes déranger relation comme avec Timon Mayo et Timon Mayo toujours était que pam et c'est pour ça que mon grand amour débordant vous êtes parlé de ménage actuel ménage qui pas voulait ou exposer le comme ça et il pas de problème que me poster il y a un problème que je tague lui dans la photo. Ah, pour ne pas venir suivre lui-même, yes, yes. comme si on partageait la popularité mm-hmm, avec elle. Mm-hmm, et vous avez vraiment banou de très belles photos avec Exou, mm-hmm. Marina, et tout à l'heure, je pour lui. Mais il y a des gens qui estiment, OK, Karel change ménage trop assez souvent. Voilà, ouais, c'est parce que mon gens la vie trop. Pour et puis, Karel affiche. Mais le problème, lorsque ça a fini avec Marina, nous ne pouvons pas. Et puis, le temps que nous réalisons que relation pas là encore. Oh, l'autre monde. Oui, depuis qui est-ce qui a passé? Nous commençons à l'autre monde. Parce que justement, même gens que moi, je partage la vie, moi, je suis un monde qui est toujours très discret. Très simple. Paradoxal. Non, mais je suis très discret dans le sens que moi, je suis un peu moins de contrôle. Qui ça va bailler de haut? Mm-hmm. Et comme si, par exemple, je suis un peu plus de temps, je vais faire 6 jours pour poster sur Instagram. Mais c'est pas deux photos que j'ai sur le téléphone que je ne peux pas poster, c'est pas deux petits bits que je ne peux pas faire. Mais je n'ai pas senti nécessité pour me partager. Tu vois, ça veut dire que je ne pas vivre pour l'audience. En même temps, followers, yo kadjou, mais ou te commences à dire nous lorsque tout va bien, nous voulons connaître qui j'en sais. Mais si pas rien qui va mal. Un exemple très simple, je vais expliquer la vie là qu'on y est rapidement. Celle cassure, je suis capable de dire qu'il était brutal dans toute relation amoureuse que j'ai gagnée, c'était cassure avec mon premier petit. C'était, il était brutal. Je me dis brutal, c'était une cassure. Mm-hmm. Après ça, toute reste relation, c'est des relations qui finissent à l'amiable. Mm-hmm. Ça veut dire, nous ne pouvons pas continuer ensemble parce que il fait sens que chaque monde fait autre part. Ça veut dire, avec Marina, moi, c'est pour nous, hein, mm-hmm. avec Marina, tout va bien, même si nous pas forcément. Oh, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Marie n'a pas voulu me parler de ça, même qu'à parler de ça, parce que c'est une histoire pas plutôt. Et c'est très simple. Marie n'a pas d'entrée en Haïti pour devenir vivre en Haïti. Mm-hmm. Et elle était venue pour régler les affaires familiales mm-hmm. et elle était commencé à intégrer le boy ici là. Boum, moi j'ai entré dans une relation avec lui, c'est pas bah, qui était dans le plan. Elle a toujours voulu retourner au Canada pour aller étudier mm-hmm. et événement 6-7 juillet a précipité les bagages. Précipité parce que, imaginons, encore une fois, 8 juillet c'est l'anniversaire. Mm-hmm. So, 16 juillet, il planifié super anniversaire pour moi, etc. Mm-hmm. Surprise party pour moi, etc. Dépenser l'argent, faire toute qualité bagaille.
And then boom, 6-7 juillet, problème. Ah, yeah, pas fait. Moi pas fait. And then il vient tomber malade. And c'était un moment nécessaire pour le retourner. Mais quand il y a l'on a une relation qui est sérieuse, aussi sérieuse, parce que c'est une relation très sérieuse avec lui, il faut que nous justement planifier ça qui va le faire. Et moi, je n'ai pas de pari pour me comme si, à vivre au Canada, ou à vivre dans l'autre pays. Pendant bon que lui-même, il est très jeune, il a envie de voyager, il a envie de vivre de l'autre côté, il n'a pas envie de vivre à Haïti, il faut aller étudier. Pour nous réaliser que la relation est capable de marcher dans la longue distance, puisque nous faisons longue distance. En et qui était bon, oui, mais qui n'est pas idéal comme, comme relation. Et puis, je choisis des amis et lui faire parler. Puis, enfin, lui faire ou de parler, moi, faire ou de parler. Tout va bien avec ta nouvelle chérie? Extrêmement bien. Oui, mais j'en pesais sous extrême. Et ouais, c'est je la coule douce. OK. On nous retourner, on nous quitter chapitre perso hein, pour nous tourner dans métier comme journaliste. Mm-hmm. Et qui ça motive rester dans le domaine là, rester dans métier en fait. OK. Bon, ça motive même simple, c'est que moi c'est ça que m'a parlé par rapport à travail. En plus monde a fait des travail, il pas gain Jean Blanc relait long purpose pour travailler. Mm-hmm. Ça veut dire et l'opposition de question, il y a plein de monde qui travaille avec moi. Et ou bien moun que me croise ou bien moun qui dans même domaine avec moun qui commence me avec moi dit OK pas problème pour qui sont faire ça faire en plus moi me connaît parce qu'il faut un job mais voilà mais très souvent puis moun pas connaît c'est pour ça que souvent penser que moun cap garder ou là me poser une question ça l'on lever les matins ou le travail ou bien ou chercher un travail pour qui soit chercher si c'est pour mettre comme dans poche ou ca faire n'importe qui bagage parce que tu comprends ça veut dire et si me mettre comme dans poche moi me pas peut-être animateur radio ou bien d'après une situation dans le travail dans le palais national ou bien dans la politique ou bien et ou bien font l'autre bagarre ou bien peut-être quitter le pays à aller vivre de l'autre côté mais but pam purpose pam le que moi me commencer faire ça que m'a fait c'est parce que je pensais que moi créer une plateforme qui est capable d'inspirer les gens et moi même par rapport à ça que moi m'a fait capable d'inspirer les gens dans le domaine média et même dans l'entrepreneuriat en général pour quelle raison parce que là où je n'ai monde qui écoute qui dit oh m'a suivi longtemps parce que c'est modèle moi même toujours dire monde pour qui ça on pense comme c'est modèle et puis mon dit oh ou fait ci ou fait ça m'a suivi qui t'a fait ci ou bien tel choix qu'on fait dans la vie ou bien telle façon qu'on parler qui moi même intéressé sur moi penser que moi gon valeur que moi même porter ba un minimum et le fait que me capable porter valeur ça dans minimum dans prendre micro chaque jour dans continuer faire ça que m'a faire dans innover dans média et font série de bagaille il fait sens pour moi et c'est pour ça que m'a fait. Bien sûr, Livina comme. Livina popularité. Livina avec popularité et li bon pour moi tout. Donc, ça fait toujours dire au monde sous pas gain purpose ça, c'est pas sous pas pour qui sont lever le matin pour aller travailler ou bien pour ça faire. Parce que quand plein de monde qui gain passion, yo remet un bagage, mais yo pas vraiment compte pour qui ça qu'il a fait. Yo ouais, yo remet mais pas compte pour qui ça qu'il a fait. Donc, faut qu'on cherche compte pour qui ça qu'on va faire ça va faire. Et c'est pour ça par exemple, nous obligé aller un psychologue. Il y a du fou. Pour qui raison? Eh bien, voilà, pour qui raison d'aller en psychologue? Parce que je suis arrivé dans une période dans la vie, justement. Je connais que. Tu as tout manqué parti? Non. Je me posais tellement de questions, ça ne va pas dire rien. Ça veut dire, je n'ai pas de même engouement pour me faire ça. Je n'ai pas de même fait. Je n'ai pas excité pour me connaître comme non micro. Ou bien, l'homme me dit, mais oh, font un good job, je dis, font une belle émission, ça ne va pas dire rien. Vous comprenez? Donc, parce que pour moi-même, peut-être, je pensais que ça me gagnait son acquis, ou bien. Ou tu prends la grosse tête? Non, jamais. C'est la grosse tête, ou quoi tu as supporté? C'est quoi? C'est la grosse tête, ou quoi tout le monde qui a la grosse tête, tu as apparaît? Si tu as pris pour me faire du jour, je ne sais pas comment d'ailleurs. Et. Si moi, si tu as fait du jour, c'est dans figure tout l'autre monde qui a fait job comme si t'a pris l'intel mais chaud ouais et by Gracia avec Isola fait son internet là c'est comme ça m'a fait ou cité Kounia oui parce que c'est ça m'a dit je n'étais pas là il m'a parlé c'est comme ça bien ça ça fait très direct ça que m'a dit ça non c'était job c'est comme ça que m'a dit mais moi j'aime ça que m'a fait moi connais que le bon valeur. Et c'est pour ça que je continue à faire. Et c'est pour ça tout que moi-même, je pensais que j'ai l'autre façon que je peux contribuer dans ce que je fais, c'est d'offrir l'autre opportunité pour utiliser la plateforme pour même créer même
ça que moi m'a créé. Les carrel pas faire émission, les carrel pas gérer show carrel là ou bien plaisir carnaval et des autres bagages. M'a dormi. Ça carrel a fait. M'a dormi. Juste dormi. Yeah. Non parce que qui va passer les combien bral je me lève à 5h du matin chaque jour. Et 5h du matin entre 5h et 6h, je réponds tout email. Finaliser tout projet que je fais. J'aime tout projet que je fais. Ça veut dire écrit tout l'obéi que je fais. Parce que je fais qui écrit. So, business plan, projet d'émission, toute qualité de l'obéi que je fais, tout ça. Et puis, je suis en radio. So, après radio, journée en l'ouvri. Même dans journée en l'ouvri, il y a toute qualité de bagaille. Il est capable de meeting que je fais, il est capable de réunion avec le staff, il est capable de hang que je fais avec mon ami, etc. Mais après ça, je suis toujours là quand même. Je choisis pas de sortir en pile ces derniers temps. Pourquoi ça? Je ne pas un rad et je ne vais pas dépenser l'argent. Est-ce que Karel radé? Je vais pour nous. Ou radé? Non, je ne pas te poser rad là. Mais je vais m'estimer. Je pas envie de sortir pour croiser même mon tout le temps. Je n'ai pas envie de sortir non plus pour que. Vous estimez que c'est même mon qui sorti. Et m'estimer côté mal et très souvent c'est même mon qui sorti. Ça veut dire. Surtout sorti c'est ça que fait par exemple l'homme jeune qui aime tout font publicité l'aime jeune un petit coin par exemple c'est à la direction mais qui aime bon l'aime jeune un petit on pas citer non compagnie non c'est pas ça l'aime jeune un petit coin l'aime descendre dans parcours là et puis mal dans petit restaurant dans parcours qui nice et bière à $5 américains mais pas quoi carré la vin player pour bien $5 américains moi même ca player non pas ou même bière à $5 américains et ou ka vin avec 3-4 amis pour pas dépenser 2500 gourdes ou passe un bon moment ou attend des bonnes musiques ou passe un bon moment là dans petit parcours là dans petite zone ça là là quitter Petionville 10 minutes c'est ça ou moi me faire mais moi absolument pas mal dans programme dans Petionville là le vraiment comme si son programme unique que moi m'envie là dedans par exemple Bitova ou Batab jouer faut mal dans ça ou bien Yol pral font concert moi pral dans ça bon bel concert évangélique moi pral là dedans mais tout programme régulier tant que et m'a gagné avec yo et Vivid Saturday ou bien et ceci cela puis ouais c'est après bon c'est même mon yo so j'aime tout l'en pas gagner rad tout son pas faire mon yo ouais même rad là chaque jour so obligé poser Karel qui plaint pour bien avec $5 quelque côté Karel qui dit nous pas gagner rad pour la pédé sorti qui regarde sur secteur culturel là et la vie nocturne en Haïti quand Je pense que puis tout problème pays a en général aller dans le secteur culturel là tout dans le sens que il y a trop de disparité. L'aime de trop de disparité c'est même bagarre là. Ça veut dire pendant que m'a plein de billets qui $5 mais des côtés que m'a vraiment prendre billet à $2 bien prendre à $3. Et il y a des côtés que m'a une bonne expérience mais le fait que et comme si mon yo un stéréotype que ah c'est côté ça qui gagne bon ceci tout le monde là pendant que yo négligé on espace pendant que m'a parlé de ça qui était vraiment fait promotion pour ça moi pas habité dans zone là m'a habité Petionville mais moi pensais que bas de la ville de Port-au-Prince surtout au moins et zone Paco Boisverna etc gain un nightlife là qui pour moi est intéressant il y a de bons restaurants qui l'ouvrent il y a de bons services et il y a des activités régulièrement qui fait là on exemple d'apprendre très bien Port-au-Prince gagne on vie culturelle que un peu de monde pas trop parler de lui dans le sens que si pas gon bal qui fait caribé ou bien son artiste pas venir caribé ou pas qu'on est alors ce chargé festival qu'a fait là entre Focal Institut Français Gingerbread House Nian Valou etc et qui c'est des bagages qui très intéressant et justement disparité ça aller dans même tendance ça veut dire aussi bien elle a peut-être pas fait Petionville il pas bon ou bien et mon kafou a sorti bien loin pour aller dans son artiste alors que le décadence la kafou ou bien non zone qui plus ou moins à proximité ou bien on a monté jou taraz pour aller d'adjou ou comment ça veut dire mais c'est vrai que mon a monté mais juste imaginer que si bah là c'est plus ou moins décentralisé c'est plus ou moins tout justement que moi même qui t'a cassé Petionville décale kafou dans ces d'adjou ou bien décale la plaine dans ces d'adjou il t'a pour moi très intéressant parce que le secteur culturel en général gain en pile activité qu'a fait la donne en termes de production musicale par contre sur ça moi c'est encore ouais ça parce qu'on a ticket donc yo yo tout bagaille gain en pile jeune talent j'ai l'impression comme si autant que tu connais artiste qu'on donnait pendant période carnaval
qu'on a eu continué. C'est même pas là qu'on a. Parce que vraiment pile jeune talent qui a envie de sortir. Mais malheureusement, soit vous pas qu'on vend tête, ou soit vous pas qu'on comment pour prendre contact avec des monde. Ou bien vous avez un bon, vous avez un bon produit, mais vous pas qu'on comment pour proposer avec un monde. Et ça a créé plusieurs problèmes. Et moi-même, ça m'a réfléchi tout le temps, depuis définitivement novembre que m'a réfléchi tout ça, c'est comment je capable de créer une plateforme pour me bailler aux visibilités. Qui n'est pas évident. Pour qui ça? Parce que ou pas qu'à faire tout le bagaille. Et vous avez un groupe de monde qui est très populaire qui vous même obligé à priorité parce que vous êtes populaire, vous avez une relation avec vous déjà et bien sûr vous êtes censé vous même que vous n'avez pas qu'à virer le dos sur vous. Et balancer ce n'est pas évident parce que vous allez prendre le temps pour qu'on ait un artiste. Et conseil justement par rapport à artiste, c'est venir tout parler. Un exemple très simple, je prends et je vais parler de Pascal. Je ne vais pas parler de Pascal par rapport à. Je ne vais pas parler de talent Pascal, je ne vais pas parler de qui la qualité de musique qu'il fait. Ça, c'est goût, ou d'accord, ou pas d'accord. Mais j'ai que Pascal présente tête lui Pascal tout carrément mettez-le dans la cour des grands parce que l'équipe qui travaille avec donc il est important que un jeune artiste avant même qu'on rentre dans le studio faut qu'on ait une stratégie pour comment qu'on pral faire promotion musicale. C'est pas ou pas le payer comme pour jouer le pour non, c'est pas jeune boss qui vous paye le pour non, mais son monde qui est capable de venir chita c'est développer stratégie pour permettre d'arriver sur public là et puis qu'on y a ou même glorieuse qui parle qu'on article sur son monde là ou pas faire trop effort. Parce que l'élément est déjà là. Ou dis-moi, l'artiste a tellement passé dans les yeux, ou dis-moi, faut parler de lui, puisque c'est ça que vous-même vous faites, c'est le job ou ça. Pendant qu'on parle de secteur culturel, là, moi, j'ai joué pour mes mêmes, vrai. Et ouais, la presse culturelle a joué avec les artistes, nous parlons gonfler artistes, tu vois. Il y a mettre en camp pour barrer gol. Sainte-Thérèse, et je ne suis pas gardien, moi, je suis attaquant de pointe. Ok. Un match qu'a fait le 1er mai, messieurs, dames, non, Parc Sainte-Thérèse. Ok, Karel, attaquant. Et pour dire mon vérité, et moi, tes vocations, je t'ai doué dans la sélection nationale. Oh, Jésus! Et... ok! Non, non, non. C'est où chouette, son match de gala que lui. C'est trip, nous prenons le trip. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est pas grand qui strict, nous avons fait plus que trois changements. Non, 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 équipe là, on joue à descendre, les bouquets, les ballons, tu as vu ça, les remplacer. It's all fun. So, équipe là pour entraîner, je rate pour mes entraînements. Ah, garde un attaque, nous, est-ce que ça? Non, parce que vous connaissez, mais en pleine forme, et je rate pour mes entraînements. Mais, et son prend un bel bagage. Car elle est la politique. Par contre, je joue football. Car elle est la politique. Pas... Ok, que devez-vous expliquer? Expliquez-moi. Moi, commencé à m'intéresser à la politique en 90. T'as gagné 30 ans, oui. Parce que maman était pour Mac Bazin. Parce que vous connaissez Mac Bazin, j'avais travaillé ici. So, maman était très pour Mac Bazin. Et parce que j'étais aimé la publicité que j'ai fait pour Mac Bazin. La publicité a été continuée dans la radio tout le temps. Et puis... Mais c'est là que j'ai l'affaire politique, etc. Ok, Aristide vient de monter. Et puis, je me suis j'étais toujours très éloigné de la politique pour une raison très simple. Lorsque je suis en province, je vais au bord de province, je vais revenir de la politique. Parce que dans la politique, c'est ou exposé, un, par rapport à la sécurité, et deux, ou vient paraître comme si, ou puis exposé que l'autre artiste. Mais le plus gros problème, c'est que l'artiste, ou qu'a fait, il pourrait être clean. Mais l'on a politique là, il pas forcément obligé qu'on ait été clean. Dans le sens que ou on magouille qu'on a fait quand même, ou bien ou bien on... Est-ce qu'on a dit politicien ou on magouille? Non, je parle de jour. Attendez, ou pas, attendez, je parle de ce combat très simple. Sous son artiste, ou non domaine, on prend un exemple très simple. On prend un exemple très simple. Je prends un exemple bien, je compare mon artistique avec mon monde politique là. Et, ou prend Gracia par exemple. Pour exemple, Gracia artiste. Ou bien on prend Don Kato, l'artiste. Et puis tout le monde a dit, ah, artiste haïtien, il est médiocre, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Artiste a dit, c'est lui, il est sorti du lot. Pour quelle raison? Parce que Evli, parler de lui, etc. Mais si on prend un monde qui n'a pas le mal, et pour dire qu'ils sont corrompus, et puis rapport à sortir sur comment ils ont boire sick avec café, ou bien rapport à sortir pour dire que un tiers là-dedans, il prend l'argent pour créer un bureau de représentativité et puis pas existe vraiment. Et puis c'est même avec même monde ça au cochita tout le temps. Mon problème là parce que sous pas dénoncer ou complice là-dedans. Et tout le monde comme qu'on est qui était très honnête avant que était dans pas que était dans le parlement etc. Yo très rarement retirer tête de l'eau ça. Et pour moi-même,
ou participer quand même dans ça. Ça veut dire parce que si on a tout ça qui a passé devant et puis ou pas dénoncer ou bien c'est le scandale à péter pour dire oups, on pas la donne etc. ou en complicité. Et moi-même moi pas en train d'entrer dans complicité ça. Moi j'ai plusieurs occasions que j'offre et des monde qui te relèm qui te mépris de mettre dans cartel et magistrat. Et des monde qui te dit ma faut me tourner pour deux peuples mal garder si capable entrer dans politique et gen moun ki ofri m job dans gouvernement même toujours dit même bagarre là et c'est ça que m t'a posé question ça tout à l'heure pour qui ça ça veut dire qui ça me va le faire et moi encore une fois m'a éviter moun poser cette question ça quoi si un politicien si un monde qui a pas relé là qu'on y a pas sur pas nouveau gouvernement y aurait le pour venir ministre ou garder tête en glace ou poser tête question pour qui ça vous pas joindre une réponse ou bien réponse qu'on gagne pas satisfaisant pour même si son l'autre monde qui était joli ou pas capable job. Et les monde qui va dire ça quand elle a dit mon là. Yo vlo ministre. Mais c'est ça parce que moi même moi mon exemple très simple. Moi même qui a le ministre ou le directeur général ou bien qui je peut-être al travailler dans gouvernement quelconque mon job quelconque. Par exemple comme ça l'autre qui dit ah yo mettre me chargé de mission. C'est ça que chargé de mission en base. Bah comme monsieur connaît que ça chargé de mission mais le gros chèque. Mais le content que le chèque là, la bien dégagé. C'est chèque là qui intéresse. Et voilà, moi-même qui parle travail pour ça. Et toujours dit tout le monde ça. Par exemple, je supporte Michel Martelly parce que Michel Martelly c'est des amis. Je supporte Jovenel parce que encore une fois, je suis contre Jovenel avant de contre Michel Martelly. Donc, à un certain niveau, je supporte les gens que je connais parce que c'est des gens que je connais qui ont une vision et qui sont candidats. Point boule. Mais à aucun moment de la durée, je toujours dit, je n'ai pas une pièce chèque qui sort dans l'État. Ça qui sous nom. Si le sorti sous nom son monde qui caché me pas connaît. Ça veut dire à un certain niveau, on pas mettre tête mon, on pas supporter un candidat pour mal venir job. Pour qui raison parce que on pas voir qui ça me dans faire job là. Ou mettez me directeur ministre de la culture là connait me pas qui ça me dans faire là. Ou mettez me dire ou mettez me directeur TNH là connait me pas qui ça me dans faire là. M'a parlé de possibilité qui gagne avec job que moi qui t'a assemblé par rapport à profil moi. Tu vois, on met le directeur général TNH, ça me va faire TNH là, qu'on est un chalier là. On s'en va faire, ou dit, on va le directeur dans le ministère de la culture, ça me va le faire. Ou bien, on va le responsable de théâtre national, ou bien, on va le prêter. Je ne suis pas capable. Pour quelle raison? Parce que ça m'a fait assez de ce que je connais, je me connais qui côté que je vais le faire. Si je me casse dedans, ça m'a fait dans le privé, je suis capable de redresser, mais m'avancer, je n'ai pas compte pour moi une personne. Mais si on bat mon job, et c'est le job de l'État, c'est l'argent peuple qui a bon pour mon travail, je me sens très laid et très sale. Si moi moi pas capable de délivrer j'ai que moi moi t'as supposé délivrer et pour me t'a délivrer j'ai supposé délivrer faut au moins me gon état des lieux pour me capable commencer imaginer ça me va le faire c'est pas le me va le prendre job là me va venir plein me dit oh me pas gain moyen donc c'est pour ça que me pas faire donc à un certain niveau me pas gain pièce job consultation dans l'état moi une pièce chèque et qui sorti sous nom alors que j'aime dou lancer ta carbaille qui plus facile là un exemple très simple me va le ba ou songe très bien le Michel Martelly a célébré premier anniversaire et lui-même sous pouvoir 14 mai 2012 voilà et puis monsieur dit yo pour qu'il soit pas continuer avec Sunday Project de Sunday Project pour monde qui pas connaît son projet que me t'ai gagné mon le quartier qui online son projet que me t'ai gagné côté que on bail entre 400 à 500 monde manger dans cité soleil chaque dimanche. C'est ton projet bénévolat, son projet côté que ou même ou pas rien faire le dimanche, ou venir jeune nous, ou faire manger, ou faire manger, ou boîte manger, ou sac machine nous, on le distribuer là-bas. Et Michel Martelly était au courant du projet. Et puis monsieur dit moi parce que l'invité plusieurs journalistes et puis ouais parce que pas de longtemps pas comment il ça fait ça va faire ou toujours pas manger dans ce soir, me dit me camper. Il y a même qui ça me camper, il dit ou gain problème moyen, ben faut jeune moyen pour faire et cetera. On dit qui moyen pour Fondation Rose Blanc ou bien la présidence, si la présidence a bien mais contribué normal comme ça et cetera. Malaka moi super excité, me dit ah la présidence va le couvrir. Après ça me dit non, pas quoi que c'est ça que parce qu'il il a perdu tout essence parce que il pas en bagarre volontaire encore il va que c'est Karel qui a give back ou bien son ami Karel qui a mis ensemble pour give back c'est nous mêmes qui va l'exécuter ton projet peut-être pour la présidence et puis nous pas en faire donc jusqu'à présent Michel toujours le prochain pour ça il dit pour qui des petits mon grand goût au lieu faire projet mais même t'obligé faire parce que moi-même moi mais ça me voulait faire me pas voulait que moi mourir demain matin et puis c'est demain matin que
petite film qui pral connaît que papa était dans magouille ou bien papa c'était un escroc ou bien papa c'était un corrompu ou bien papa c'était un monde qui était malhonnête. Pour quelle raison? Parce que je pense que ça a toujours été suivi. Moi connais que c'est vrai que ça pas on fait pas forcément obligé engager mais bah envie quitter au moins un monde t'a pensé le petit point passé et puis vous dire bah on qu'est-ce que c'était papa là bah mais ça so c'est pour ça me poko dans politique maintenant politique l'aime gagner million. OK voilà merci un pile Karel un dernier mot pour fanatique ou yo internaute qui cap suivre émission hein? Dernier mot. Et puis, ce qui projet nous va jouer nous encore, perspective. Et perspective, c'est moi j'ai un carousel qui c'est le nouveau podcast moi qui va commencer à partir du mois de mai. Ce podcast côté que moi va faire des interviews et des conversations de 2h 3h du temps avec des gens s'il le faut sur la vie, sur ça qui inspire eux parce que ça me pensait est glorieuse et me pensait que ça va faire là ou bien ça que nous même n'a fait ça m'a parlé dans média yo. Très souvent monde qui vous parler yo, c'est pas vous parler. Mm-hmm. Ben moun ki ka parle. Donc on bay des moun ki pas forcément gen la loi ou chapitre, pas forcément au devant de la scène. Justement par exemple, m'a regardé Franck Etienne l'autre jour dans télévision ka font interview. M'chita mon amour, m'te gen moun ka tande moun di autant même vin regarder Franck Etienne ka parler. M'invite tande plus Franck Etienne, m'invite tande plus et Gary Victor dans radio, m'invite tande m'cité des noms comme ça et parce que nous tellement gen même moun yo ka parler dans radio. Et contre ça qui tue, c'est que c'est même mon ça, il y a des profils, il y a pas réalisé rien dans la vie. On dit très simple, en pile de politiciens qui parlent dans la radio tout le temps, il y a des profils en termes de qui ça que réalisé au point de vue personnel ou bien au point de vue qui est capable utile la société. On dit très simple, si vous êtes politicien ou vous êtes battu en l'école, vous êtes commencé militant. Quand on est à l'école, ça doit se poser quelqu'un qui a gradué par rapport à toute qualité ça qu'on a fait. Vous pas jamais fait rien. Ça veut dire vous pas fait rien du tout. Et puis c'est monde ça qui va attendre qu'à parler tout le temps. Et puis c'est monde ça qui condamné que nous même n'a parlé de vous dans groupe WhatsApp, n'a parlé de vous de ça que vous faites, n'a parlé de vous dans l'école. Les monde ça va contrôler la vie non. Mais quand il y a des gens qui ont même recevoir des primes à l'étranger, qui ont même gagné des reconnaissances internationales, qui ont même fait du travail pour ici là, capé dont ils ont fait l'ina pour ici là, capé dont ils et jeunes tout quartier le fait sport. Ou bien qu'a fait n'importe qui ça et puis pas une plateforme pour monde ça parce que qui ça passe c'est que ou pral gon jeune et puis qu'a dit pas une personne pas rien qui a marché dans pays là ou bien pas un monde qui a réglé rien dans pays là alors que moi avec vous connaît tellement gain monde qui a fait des bagailles dans pays là tellement gain des monde qui a exécuté des bagailles dans pays là qui a fait des bagailles qui est important il pas fait aucun sens que c'est pas monde ça qui vraiment au devant de la scène. So idée podcast ça c'est justement à chercher mon saio. Fait de grandes conversations avec vous. On a parlé 2 heures, 3 heures, on parle en pile. 2 heures, 3 heures, on a une limite. Créer podcast avec vous. M'envie tourner avec rubrique comme des gars qui les lunch break là qu'on a pensé faire pendant l'été. Et puis bien sûr plus c'est Chocarella takeover. Nous on a pensé faire DC, Montréal, Boston pendant sommeil. Dernier mot fanatique yo. Dernier mot fanatique yo. Continue suivre ticket et puis suivez-moi tout. Besoin qu'actif à l'heure et continue suivre-moi. Et puis pour moun ki remèm yo et en particulier continue remèm m konnen ko remèm pou rezon et m pa forward et puis ki ça encore supporte yon lot et mete plus énergie dans sa ko remèm que dans son pa remèm ou on moun am joure on artiste ko remèm kite le joure artiste ko remèm ou même al partager sa artiste ko remèm ba l'autre moun fè l'autre moun découvrir artiste ou partager moun ki à l'étranger ou remèm un artiste fè l'autre étranger tande ou remèm l'autre moun bon bagay ki intéressant ko wè sou ticket magazine non interview ou partager avec moun ça that's how you do it c'est pas final répondre au moun ki te dit Karel gen go tête ou bien et Karel ceci Karel cela et puis nous tomber joure avec moun n'a pas fait ça pour moi mettez énergie nous faire promotion ça qui positif parce que faut que nous capable créer balance le va répondre au monde qui joue Karel parce que remet Karel ou vient entrer dans sec par là et oublier que Karel besoin qu'on l'autre monde reconnaître travail important que la fait que ou même reconnaître là-dedans so on fait le constant fait pour tout artiste on fait pour tout le monde et puis garantir nous que n'a capable vraiment vendre un pays qui capable montrer potentiel nous c'est monde et nous gain monde qui fait des bails positifs donc faut que nous pousser monde ça yo café bay positif et puis bay moun que nous estime qui peut être pas positif yo moun k'ap parler tête en vague les bouquet y a suivre
Voilà, merci un peu, Karel, pour échange si là. Et je vais nous rendez-vous pour l'autre émission de Ticket Magazine. Merci à toute l'équipe. Pour l'autre émission à Karel. merci à toute l'équipe technique là, Gerdi, Abdon, Irvins, merci nous toutes, merci Ordia, merci à Addict Studio de Beauté et puis la croisons l'autre fois. Suivez Ticket Magazine tout côté Facebook, Instagram, Twitter, lis articles sur le nouveliste.com. À bientôt.